Parlez au chef. Vous pouvez baisser d'un ton. Voilà. Vous disiez... Je voudrais parler avec le chef. C'est moi, le chef. Vous avez un rendez-vous? Comment ça, un rendez-vous? C'est le roi. Un roi ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur. Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi, et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur Terre, mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi, le chef. De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nous, nos prunes peuvent faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Holly. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi? Quel est l'intérêt? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser... En attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars! Allez, on s'y remet! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre? Oui, oui, si vous voulez. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Holly, maintenant je suis grand! Désolée, Ben, c'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord, je vais me faire grande moi aussi. Génial, maintenant on est grands tous les deux. Mais c'est... Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est nous, Lucie. Ben et Holly. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spéciale. Pas de soucis, vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas compte. D'accord, mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis Ben et Holly. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites? J'habite dans un château de fées. Quoi? Tu habites dans un château de fées? Chut, Holly. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça! Bonjour, votre majesté. C'est ça. Continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non! Les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh,
ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous, vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Moussaillon ! Il n'y a personne dans cette pièce. Il n'y a plus que nos baguettes. Ah, qu'il est bon de te retrouver. Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand magicus, vieil elfe fou, revenez à vous. Mais où sont donc passées nos petites crevettes? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Paquerette ont trouvé le passage secret. Oh! Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon? Il mène à la chambre secrète. Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète. C'est parce qu'elle est secrète, Holly. Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix. Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge. J'entends des rires de bambins très excités, mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante, laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Holly? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge à la rescousse. Voici nos petits étages. À l'aide. Tenez bon, Nounou Prune. La voici, la voilà. Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un roux de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, roux de grenouille, bave de limace. Ah, mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais. Et c'est effectivement dégoûtant. Papa, tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune, je crois que mon rhume est parti. Ouah! Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Regardez, un ver. Il est retourné dans son trou. Oh, allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre. J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper.
Le bébé oiseau a très très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuicui assez fort. Nounou Prune, faites en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite... Zimzamzo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Oh. Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune? Ça peut durer une minute, ou une semaine, ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Ouah! Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Bonjour, Oli. C'était notre dernière livraison. Maintenant, on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Oli, il est temps de faire ton discours. Bonjour. Vous êtes tous très gentils. Et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de votre majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo! Excellent! Allez, viens, papa! Viens, on va danser! Quoi? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus... moderne? Bien sûr, tout de suite. Oh, oh, tu avais raison, Oli. Le métier de roi, c'est très chouette. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Ben? Oli! Les enfants! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, Madame Elf, il faut vraiment qu'on rentre. Maman, on ne peut pas encore jouer un peu? Alors ça, par exemple, je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout. Ça arrive parfois. Oh! Vous voulez un petit gâteau chacun? Oui, s'il te plaît! Délicieux! Miam, miam! Ce sont les meilleurs gâteaux du monde!
et Madame Elfe n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Oh, non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elf! En avant, suivez cette poule! Il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé. Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite! Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, votre majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez, c'est notre poule qui est là-bas. Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. Écoutez-moi toutes les deux. Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou. Eh ben, tu crois que c'est fini cette fois? Oui. Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguettes. Oh, Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur. Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles. Comment? Ce sont Paquerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie. Ah, d'accord, je vois. Et qui sont tous ces lapins? Eux, ce sont les elfes. Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire. Disparaissez, chatons, revenez-nous, jeunes fées. Disparaissez, lapins, revenez-nous, les elfes. Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles. Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs. Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles. Bon, il n'y a eu aucun mal de fait. Comment ça, aucun mal? Elles nous ont tous changés en lapins. Oui, je sais. Je suis très impressionnée. Mais... Ces pauvres petites chéries sont très douées pour la magie. Je crois que je vais confisquer ces baguettes. On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble. Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison après tout. Bon, très bien, Oli. Ramène-la à son état normal d'un tour de magie. Disparais, grenouille, reviens, Nounou Prune. Oh, Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseau. Je suis en sécurité, tant que les œufs n'éclosent pas. Oh mince. Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh, la barbe! Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable.
Mais enfin, ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Brune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben, cette fois, je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette, j'arrive tout de suite. Allez, Gaston, ne bouge pas, Nounou Brune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bon, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui, j'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte. Oh. Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce signe, j'adore les signes. Oups, oh, misère. Oh, mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du signe. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabra, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard, peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici. Continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes, les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment? Vous connaissez vieil elfe sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un... C'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche... et un autre, les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non. Ici, nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes. Eh bien, moi, heureusement, je suis une fée. Chut, Nounou Prune. Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir. Et ensuite, elle est toute prête à être livrée. Voilà, cette fois, ça y est. La poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Tu as entièrement raison, princesse Holly. Oh, ce n'est pas grave. Il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Oh, elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique Elf. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Oh. Je suis sûre qu'il comprendra. Non.
Non, non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette. Le bleu en rouge. Qu'ils essayent de voler. Mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'ils te manquent maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivert qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué! Ce n'est pas juste! Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Voici le réservoir de carburant, Nounou Prune. Maintenant, demandez de la gelée à votre panier magique. Pardon? Mais vous avez dit plus de gelée magique sur la Lune. Souvenez-vous? Oui, je sais que j'ai dit cela. Il s'agit d'une urgence. Très bien. Quelle quantité de gelée voulez-vous? Beaucoup. Entendu. Mais à quoi cela va-t-il servir? La gelée sort du panier magique à une vitesse extraordinaire. Nous pouvons utiliser l'énergie développée à cette occasion pour propulser la fusée pour son retour sur Terre. Si c'était moi qui avais imaginé cela, vous m'auriez traité de folle. Mais ce n'est pas vous qui l'avez imaginé, c'est moi. Et vieil elfe sage est très 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 sage, Nounou Prune. Oui, je suppose qu'il n'est pas trop sot. Bon, très bien, alors allons-y. Panier magique, s'il te plaît, de la gelée, plein, plein, plein. Oh là, tenez-vous bien, tout le monde! Ça a marché! Hourra! Fusée Elf à salle de contrôle. Nous sommes de retour en direction du petit royaume. Grâce à l'énergie produite par la gelée. Hourra! Ils sont de retour à la maison.